Hey les gars, bonjour, vous êtes déjà là? Fidèle au rendez-vous sur Super Héros et compagnie pour découvrir ce qu'il se cache dans nos 6 calendriers de l'Avent. Nous sommes justement le jeudi 6 décembre et eh bien on va commencer sans tarder. Je vais choisir, je vais choisir celui-ci. On va ouvrir la 6ème case de notre calendrier Playmobil et je l'ai vu quelque part, elle est là. Ah cool, c'est un personnage super. Et c'est un personnage qui va donner du fil à retordre à notre voleur, puisqu'il s'agit du policier. Le policier donc qui va tout faire pour empêcher le cambriolage de notre voleur. Il porte un gilet jaune parce que c'est un motard. Vous voyez, il a déjà des gants. Et sur le côté, il a un petit étui, et je pense que c'est ici qu'on va mettre plus tard le pistolet. Pour le moment, on lui met le képi, mais il aura également le casque pour rouler en moto. Installons-le dans le décor. Tiens, il va garder la montagne de billets de banque. Bah, je suis content, c'était une très bonne journée chez Playmobil. Passons maintenant au calendrier suivant, si vous voulez bien les amis. On va ouvrir le Hot Wheels, tiens. Alors, numéro 6. Et là, j'espère qu'on aura quand même un peu mieux que l'autocollant qu'on a eu hier. C'était vraiment pas terrible. Ah bah ouais, super. Et bah ouais, là, franchement, Hot Wheels se rachète largement. Waouh, elle a l'air trop classe cette voiture. Allez, viens par là, j'ai hâte de te voir. Ouais, j'ai du mal à la faire sortir. Allez, mais tu veux pas sortir de ta case, mais pourquoi? Viens par là, je te dis. Voilà, super. Alors là, les amis, je peux vous dire que pour le moment, c'est la plus belle des voitures de notre calendrier. Elle est superbe. Je l'adore parce qu'elle est noire. Et que la peinture est mate. Le noir mat va super bien aux voitures. Et les décorations sont superbes. Maintenant, si vous regardez la carrosserie, cette voiture vous dit peut-être quelque chose. Et en effet, je l'ai déjà sous d'autres décorations. Attendez, je vous la cherche, je vous la montre. Et là, voilà, vous la reconnaissez, il s'agit de la Shark Patrol, la voiture de la patrouille des requins. C'est une Color Shifters. Vous savez, ces voitures qui changent de couleur quand on les trempe dans l'eau chaude et dans l'eau froide. Vous l'avez vu récemment dans la piste de l'Alligator. Eh bien, si vous regardez, c'est exactement la même voiture. Regardez la calandre. La forme est la même. L'arrière aussi. Mais franchement, c'est quand même celle-ci que je préfère. Excellent. Une superbe journée pour Hot Wheels. J'adore. Et maintenant, il est temps de rendre visite au calendrier Lego City. Tiens, la case 6, je la vois tout de suite ici. Alors aujourd'hui, ça sera un bonhomme de neige, super, avec sa tasse. Trop bien. Ça, c'est une mini figurine Lego que j'avais pas encore dans ma collection, le bonhomme de neige. Donc là, je suis vraiment encore plus content. Il a un petit bandana en plus. Bon, pas d'illustration sur la tête du bonhomme de neige. C'est dommage, ils auraient pu lui mettre une petite carotte pour le nez et deux yeux. Ça aurait été un peu plus sympa. Là, on a le chapeau. Et le voilà avec sa tasse de chocolat chaud. Franchement, j'adore. Très bonne journée également chez Lego City aujourd'hui. Espérons que la bonne journée des ouvertures continue avec Hatchimals. On va voir ce qu'on a dedans là. Une case en forme d'œuf. Qu'est-ce que c'est ça? Regardez ce que nous avons là. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis?
Ça doit être comme le sapin de Noël qu'on a eu l'autre jour, qui est juste là. C'est des décorations avec des autocollants. Je crois que c'est un bonhomme. Il y a un bonhomme de neige et c'est quoi l'autre? On dirait un petit ours. Un ours en neige et un bonhomme de neige. Et voilà, mes personnages sont terminés. Voici le petit ourson des neiges. Il est plutôt cool, non? Et son copain, ou plutôt sa copine, parce que je crois que c'est une fille. La bonhomme de neige. Alors, j'ai pas posé tous les autocollants. Vous avez plusieurs solutions. Vous les décorez comme vous le voulez. Moi, je les trouve trop beaux. Notre calendrier de l'Avent à Chimals commence à être vraiment très beau et très bien rempli. Les surprises du jour ont pris place et elles vont vraiment super bien dans le paysage. On va pouvoir passer maintenant au calendrier de l'Avent suivant. Alors, lequel il nous reste à faire? Alors, naturellement, le Harry Potter qu'on verra dans un instant. Ah oui, le pas de patrouille. Alors, le pas de patrouille, hier, nous avions le bonhomme de neige dans la case numéro 6. Ça serait bien qu'on ait à nouveau un personnage, la pas de patrouille. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu. Et non, ça sera pas pour aujourd'hui. Car aujourd'hui, c'est un sapin que nous avons. Un sapin qui est un peu couvert de neige. Tiens, je vais le poser juste là, derrière Chase. Bon alors, ils sont où tes amis là? Ils veulent pas venir? J'espère qu'on aura au moins un nouveau membre de la patte patrouille demain. La case numéro 7 qui est là. Ah, on verra. Et comme tous les jours, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, le calendrier de l'Avent Harry Potter. Alors, sixième case. Ça serait bien qu'on ait un copain de Harry Potter là. Soit Ron, soit Hermione. Bon, quoi qu'il se trouve dans cette case, ça sera de toute façon super joli. Ah bah tiens, justement, quand on parle du loup, regardez qui voilà. C'est un Weasley. Par contre, c'est pas Ron. C'est un rouquin, donc il fait, comme je le disais, partie de la famille Weasley. Ça pourrait être Ron. Mais ce n'est pas lui. Sa coupe de cheveux est un tout petit peu différente de celle de Ron. C'est donc forcément un frère. Un des deux jumeaux. Alors lequel? George ou Fred? Et il y a un F sur son pull. Il s'agit donc de Fred, forcément. Fred Weasley. Ah, il est super. Vous en dites quoi? Bah dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ce calendrier de l'Avent Harry Potter Funko Mini Pop. En tout cas, moi je l'adore. C'est le seul calendrier qui ne m'a pas déçu pour le moment. Les 6 figurines sont toutes très belles et j'imagine que toutes les 24 sont juste magnifiques. Je l'ai installé tranquillement, juste devant le Saul Cogneur. Donc aujourd'hui nous avions Fred Weasley, j'imagine que George fera également partie de la collection. Nous en avons maintenant terminé avec nos 6 calendriers de l'Avent pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc comme d'habitude demain pour le 7 décembre déjà. Merci d'être toujours aussi fidèles les amis et à demain, bye bye.